Salut tout le monde, comment nous y est? Bienvenue sur chaîne YouTube avec page à Facebook Pierre Richard Midi. J'ai m'étais annoncé dans un post que m'étais fait sur Facebook avec sur plusieurs réseaux sociaux. Matin lundi, il y a deux Guardian qui sortit un deuxième article sous dossier accusation abus sexuel contre docteur Yvan Jambard de la Fédération haïtienne de football. Qui ça article a dit? Article là, l'hypothétitre des groupes de défense des droits humains en Haïti demande une enquête sur les allégations d'abus sexuels sur le football. Et oui, c'est pas un article qui fait d'autres révélations. Il s'agit d'un article là qui publié et certaines réactions du Guardian cité la FIFA. Il dit qu'il réagit. Bon, bien évidemment, jusqu'à date, FIFA pour qu'on gagne aucune réaction sous site, aucun communiqué qui sortit sous dossier, mais The Guardian, sans doute qui était entré en contact avec eux. La FIFA a déclaré avoir envoyé les informations contenues dans l'article du Guardian à son comité d'éthique indépendant. La CONCACAF, l'organe directeur de la FIFA en Amérique du Nord et en Amérique centrale, a également été contacté et collaborera à l'enquête, a-t-il ajouté. Si des cas d'abus sexuels se sont produits ou se produisent dans le football haïtien, nous voulons que cela cesse de toute urgence. Nous voulons que les criminels soient arrêtés et que les victimes soient convenablement protégées et soignées par les agences et organisations locales compétentes qui sont responsables des enfants, aide sociale. D'autres organisations de défense des droits de l'homme ici en Haïti que Guardian cite en article, c'est ça l'essentiel. C'est un article côté que Guardian insistait sur dossier, mais avec des réactions et qui est mandé pour une enquête qui menait. Moins fini, présentez-nous une dans trois mondes qui étaient largement impliqués dans mes investigations. Eh bien voilà, nous m'a présenté nous livré Romain Molina, lycéen français, il a 29 ans, Jodia, il est impliqué largement dans article ça. Oui, monsieur qui a regardé là, li, ça c'est photo et profil Facebook, li, ça son photo tout que lien sur Facebook. Nous voilà ouais, sur Twitter, monsieur présenté tête li, même sur site internet li, qui c'est romainmolina.com. Écrivain, auteur de 5 livres, plus reportage, enquête pour CNN, la BBC, New York Times ou Le Temps. Cette là, c'est 5 livres que Molina écrit, La Mano Negra, El Matador Cavani, Unai Emery, El Maestro, et puis Génération Parker, Au revoir et merci, Galère, Football Club, les 5 livres que monsieur écrit. Il a photo ça, c'est capture d'écran, une publication sur YouTube, une vidéo spéciale que Romain Molina t'a fait le jour même de la publication de l'article dans le Guardian. Je fais vidéo ça quelques heures après Guardian fin sorti article là. Côté dans vidéo ça, monsieur assumé. D'ailleurs, il dit beaucoup plus bagaille dans vidéo que article lui-même. Il dit dans vidéo ça, monsieur prend une forme d'engagement personnel. Côté que li titré vite, ça c'est post Facebook qui annonçait vidéo a. Vidéo a relé abus sexuels sur mineurs, viol, avortement et crimes de la Fédération haïtienne de football. Bon, voilà, je ne suis pas allé à demi. Elle a critiqué sa capacité dans la Fédération haïtienne de football. Il fait d'autres révélations dans la vidéo qui pas dans l'article là tout, mais l'annonce qu'il y a l'autre article qui vient pour sortir. Et monsieur tellement prend aussi à cœur, lis dans occasion anniversaire de Jodia. Je vais montrer nous un tweet, un post qu'il fait sur Facebook. Côté, il dit, cadeau anniversaire, c'est poursuivre en lutte contre crime sexuel dans tête Fédération haïtienne de football. Et qu'on est un jour ou un jour coupable à payer pour ça. Merci à tout le monde pour soutien nous de Port-au-Prince à Andalousie et Kembe la foi. Donc, et puis toujours sur Romain Molina, bon, dis-nous que Fédération attaquer monsieur directement dans un communiqué que vous mettez d'ailleurs que Dadou Jambard encore l'accuser, les mêmes siens, étrange petit pays. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors que Fédération a gagné secrétaire général, il y a d'autres membres qui étaient capables de faire un communiqué plus conforme. Pour mettre une émission spéciale sous communiqué
fédération qui sont dit dans le week-end, non. Mais là, nous prenons retourner et parler de Romain Molina. Oui, côté, et nous parlons, ouais, comment fédération, hein, vraiment, fait une attaque frontale sous monsieur. Fédération a dit, et il convient de noter que l'un des auteurs de l'article a publié dans The Guardian et qui apparaît dans une vidéo sur YouTube n'est pas journaliste. C'est quelqu'un qui, à la manière d'un anarchiste, ne supporte pas l'autorité établie. Pour cause, il ne détient aucun grade universitaire parce qu'il a été renvoyé après seulement 3 mois de sa faculté suite à un conflit avec une professeure. En somme, il parvient à gagner sa vie à travers les livres à sensation, les buzz sur les réseaux sociaux, afin de ne pas lui conférer une notoriété. Son nom n'est pas mal cité ici, et néanmoins, une documentation lui concernant sera acheminée aux autorités judiciaires haïtiennes, à la FIFA et à la CONCACAF. Romain, pas de printemps pour te réagir à Taxa, que Fédération fait en bonne et due forme en ont communiqué en plus par une interview. Oui, monsieur dit ouais, m'a cherché fait buzz et pendant qu'il m'a défendre des centaines de tifi et que dirigeant football de la Fédération violé, eh bien faut me dire non, on tellement fier et de combat ça contre criminel sexuel ça yo, on peut aller jusqu'au bout pour nous payer pour ça nous faire yo et puis menace nous yo, nous connaît m'a dit nous mettez au côté me penser ya. Donc voilà, et Romain pas prend pression. C'était pour nous guider. Et là, maintenant, on pral fait nous garder un extrait, ou bien quelques extraits dans la vidéo que il était posté sur Facebook avec sur YouTube, ou bien que il était publié sur YouTube, que il était partagé sur Facebook. Et côté que Romain Molina dit beaucoup plus bagaille qu'enquête à lui-même dit. Parce que enquête là c'est enquête journalistique, les publie dans un journal prestigieux, donc des bagages qui ont bien réservé, va dire maintenant intervention personnelle que le fait sur YouTube, monsieur très et acide vis-à-vis de dirigeants football haïtien yo, qui yo même pas négligé, passé prend boîte monsieur tout, mais monsieur montrer le papier. Donc voilà, on a attendu, regardez un extrait dans la vidéo ça que Romain t'est publié sur YouTube. Ça veut dire qu'on a des gamines de 14 ans. J'ai notamment un témoignage qui est pas dans le livre. Pas dans l'enquête, excusez-moi. 14 ans, elle a été convoquée, on lui a demandé de se déshabiller, parce qu'ensuite, il fallait la dévierger. C'est-à-dire qu'on parle d'enfants, parfois, de 14 ans, vierges, à qui on demande de se déshabiller pour qu'un espèce de malade de quasiment 70 ans... Et j'ai même pas la force de dire après ce qui se passe. J'ai même pas pu lui demander plus. Et je ne parle à d'autres victimes, des familles, etc. Parce que je peux pas. Je peux pas imaginer ce que c'est des enfants de 14-15 ans. Alors attention, les viols concernent aussi des joueuses plus âgées, parfois qui sont majeures de 18-20 ans. Tu en as certaines qui ont dû avorter, tandis que d'autres, à 16-17 ans, ont été enceintes. Elles n'ont pas avorté, sauf qu'une femme enceinte, évidemment, elle peut plus jouer au foot, donc on la dégage. La plupart, elles terminent dans la rue, dans la prostitution, dans la drogue. Certaines meurent à 20-25 ans. Tandis que les jeunes garçons, ceux qui sortent du centre, parfois, c'est la drogue, c'est les armes, c'est le banditisme, et c'est aussi la mort, parfois, avant 25 ans. C'est pas un centre de football, c'est un centre de la mort, le centre FIFA Gold de la Croix des Bouquets. Et c'est d'ailleurs marrant parce que toujours Dadou, donc le président de la Fédération haïtienne, nous dit les étrangers sont les bienvenus, etc. Ils sont tellement bienvenus que lors des dernières élections, en février, si je ne dis pas de bêtises, pour la présidence des élections d'ailleurs plutôt illégales, puisqu'il n'y avait pas d'opposants et tout, j'en avais d'ailleurs largement parlé dans une première vidéo sur les maux du football haïtien. Bizarrement, c'est bizarre, on a interdit l'accès aux gens de la FIFA. Je sais pas, il y avait peut-être quelque chose à cacher. Alors là, depuis qu'ils sont au courant, parce qu'ils ont obtenu un droit de réponse, etc., et ça a mis du temps à être publié, il y a eu des pressions ici et là, je vous le rassure, ils essayent de mettre un coup de pinceau, ils essayent de nettoyer le bordel qu'ils ont créé. Mais tu pourras jamais réparer le fait qu'il y a plus de centaines de victimes. On parle de centaines de victimes. Voilà, c'est là nous mettons bout à et... Si point ça n'a fait sous dossier Yves Jean Barla, sous dossier accusation abus sexuel qui fait sous Tifi ou dans Fédération Haïtienne de Football pendant 5 dernières années, nous t'es tenu à présenter une principale enquêteur, oui, nous quitter une auteur article ça. Mais voilà qu'on y a, nous avons une idée et nous avons continué sur le dossier pour vous, bien évidemment, nous avons pour mettre nous ça, nous avons pour moi font râler pour chien sauter dans la fête sous un véritable désastre en matière de communication que Fédération fait, oui, Fédération haïtienne, non, dans un communiqué qui sont véritable gagotte, qui montrent que Fédération a très mal géré ça et que Fédération plus semblé une bac sirette, une boutique que, qui concerne mon qui l'a donné, qui c'est Dr. Yves Jean Barre, parce que monsieur s'est accusé à Fédération d'un comité qui a dirigé lui. C'est lui-même encore qui signe communiqué réaction et Fédération. Bon, et maintenant, en quel terme? On va tourner sur ça avec nous. Je pense que secrétaire général, bureau presse,
fédération te doit sortir communiquer et avec beaucoup plus de prudence parce que c'est une fédération, c'est pas un bagage personnel ni pour Dadou ni pour aucun monde qui l'a donné, c'est une institution indépendante de l'État, mais c'est pour nous que lié, c'est comme haïtien et qui investit la donné, même les haïtiens pas vraiment comme haïtien parce qu'il va investir en Haïti que dans poche et avec vie privée mon cap dirige yo, mais voilà, communiquer ça forme des conséquences pour nous pour monter comment encore fédération commettre au moins 10 erreurs graves dans communiquer qui fait au qui risque alors qui risque faire au plus mal que bien. À bientôt, pas hésiter partager vidéo ça et puis pour nous cap garder sur YouTube yo, like, commenter et surtout abonner avec channel là parce que quand pile l'autre bagaille sérieux, oui bagaille malheur, m'a paré pour porter pour nous dans jour cap venir yo. Folie football, émission spéciale pour monde qui aime football, folie basket pour monde qui aime basketball yo, pour aller gagner bagaille messieurs dames, à très bientôt. Bye.